إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه وجعله حراما بين العباد نشكره سبحانه ونحمده جل وعلا يقول مولانا العظيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم شرفنا سورة الإسلام Nous rendons grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que lui, le Créateur des cieux et de la terre, le connaisseur du visible et de l'invisible, celui qui, par sa connaissance et par sa science, cerne toutes choses. Il est celui qui n'a pas de début et n'a pas de fin, car il a fait du début et de la fin les attributs du temps. Et il est lui-même hors du temps. Il est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Sa science n'est pas limitée dans le temps. Son pouvoir n'a pas de limite. Il lui suffit de dire à une chose soit et la chose est. Il est celui qui a créé cette vie et a créé la vie future. Il a honoré les êtres humains et les djinns par rapport à l'ensemble de ses créatures. Il les a donné un poids lourd, qui est le fait de l'adorer sans lui associer quelque chose. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que lui. Nous attestons que Mohammed est son esclave et son messager. Nous implorons Allah de répandre son salut et sa miséricorde sur la meilleure des créatures, celui qui a fourni les efforts nécessaires pour que nous puissions être des personnes qui suivent le droit chemin. Pour que nous puissions être des personnes justes, pour que nous puissions connaître le salut, pour que nous puissions vivre heureux dans cette vie et pour avoir le succès après la mort qui est le paradis. Chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit une chose sur lui-même qu'il a encore rendue comme une interdiction entre l'ensemble de ses créatures. Qui est al-zulm, l'injustice. Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui-même, il a rendu l'injustice comme une interdiction sur lui-même. Alors que lui-même, il a le pouvoir de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Mais au-delà de ça, il a rendu ça comme une interdiction sur lui-même. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, lorsqu'il était avec un de ses compagnons, il dit à son compagnon, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses esclaves? Est-ce que tu connais le droit des esclaves également sur Allah? Le compagnon lui répond, Allah et son messager seuls sont plus savants. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est que les créatures doivent adorer Allah sans rien lui associer. Et le droit des créatures sur Allah, c'est que toute personne qui adore Allah sans lui associer quelque chose, Allah aussi s'interdit de châtier la personne, de le mettre dans le feu. Le compagnon était tellement content, il voulait tout de suite aller raconter ça aux autres compagnons, en disant au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi donc aller informer les autres par rapport à cette bonne nouvelle. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, non.
abstiens-toi de leur dire, car je crains que si tu en les informes, qu'ils ne se limitent tout simplement à ça, en pensant que cela le suffira pour se protéger contre le châtiment d'Allah. Et ensuite, avant sa mort, lui, il a finalement eu peur de mourir en dissimulant une connaissance. Il a raconté le hadith aux compagnons. Chers frères, pour vous dire qu'Allah lui-même a rendu l'injustice comme une interdiction sur sa propre personne. Et ensuite, il a rendu comme une interdiction entre les créatures. Les savants nous disent que l'injustice a environ trois formes. Il y a trois formes d'injustice. La première forme d'injustice, c'est l'injustice entre l'esclave et son seigneur. La seconde forme d'injustice, c'est l'injustice entre l'esclave et son âme lui-même. Et la troisième forme d'injustice, c'est l'injustice entre l'esclave et son prochain, son entourage, les autres personnes avec lesquelles il est en train de vivre. Ces trois formes d'injustice doivent être connues du musulman. Ces trois formes d'injustice doivent mériter notre attention afin que nous puissions connaître qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala a mis des garde-fous pour toute personne qui fait de l'injustice, n'est-ce pas, son chemin de bataille. La première injustice, forme d'injustice, qui est l'injustice entre l'esclave et Allah, Allah nous dit dans le Coran al-Karim, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Le fait d'associer quelque chose à Allah est la plus grande injustice que l'être humain puisse faire. Adam a dit que l'affaire à la fin. Oui, l'être humain ne peut commettre aucune injustice plus grave que le fait d'associer quelque chose à Allah. Et c'est pour ça, vous voyez les gens du livre, les gens qui n'ont pas cru en l'islam, les gens qui n'ont pas cru au messager d'Allah, qui n'ont pas cru en Allah, ils font de bonnes actions. Ils font beaucoup de bonnes actions. Ils font des œuvres humanitaires. Ils vont jusqu'à assister les plus démunis. Mais quand ils meurent sans avoir la foi, leur destination est bien sûr l'enfer. Et même si cette personne est l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, cette personne est destinée à l'enfer. Pourquoi? Parce que la plus grande injustice que l'être humain puisse commettre, c'est l'injustice à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'associer quelque chose à Allah. Adorer quelque chose d'autre en dehors d'Allah, c'est la plus grande injustice. Et cette injustice, lorsque la mort vient à l'être humain, sans que l'être humain ne se repente, Allah ne pardonne guère à cette injustice. Et ce sont des gens qui vont demeurer éternellement dans l'enfer. Tellement du fait que Allah s'est interdit lui-même de pardonner l'injustice à son égard. Allah est trop jaloux. Donc, chers frères, chers sœurs, comprenons que la première des choses que nous devons être juste entre nous et notre Seigneur. Plaçons notre confiance en Allah, cherchons à nous rapprocher de lui, faisons en sorte que nous puissions faire attention à tout ce qu'il nous demande, rapprochons-nous de lui, mais surtout, nous n'associons nulle autre chose à notre Seigneur Allah. La deuxième forme d'injustice, chers frères, chers sœurs, c'est l'injustice à l'endroit de notre propre âme. L'être humain est injuste envers son propre âme. Vous savez ce qui est extraordinaire? Allah tabarak wa ta'ala mentionne beaucoup de fois dans le Coran al-Karim le fait que les êtres humains, lorsqu'ils commettent l'injustice, qu'ils le commettent à eux-mêmes. Parce que toute personne qui croit en Allah, Allah dit, tu ne crois qu'en toi-même, tu ne crois que pour ton intérêt. Et toute personne qui refuse de suivre le droit chemin, qui suit ses passions, la personne ne le fait qu'à elle-même. Allah, ghaniyun 'anil 'alamin. Il se suffit à l'ensemble de ses créatures. Et dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, pour encore conforter cette affirmation, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, si l'ensemble des êtres humains, les hommes et les djinns, si tout le monde se réunissait d'un seul cœur, d'un seul homme, et que tout le monde croyait fermement à Allah et craignait Allah, leur crainte et leur foi n'augmenteraient ne serait-ce qu'un poil d'atome de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'ensemble des créatures d'Allah, les hommes et les djinns, se réunissent et se rebellent contre Allah et décident d'être mécréants
et décident de désobéir à Allah, leur mécréance ne diminuerait en rien au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se suffit à lui-même. فَمَنْ شَاعَ فَلْيُؤْمِنْ. Que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut essaye de suivre le chemin, que celui qui veut s'éloigne de ses passions. وَمَنْ شَاعَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut également soit mécréant. Mais lui, Allah, غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Il se suffit à l'ensemble de ses créatures. Donc, quand l'être humain est injuste envers soi-même, c'est encore ce qui est grave. Mais Satan fait en sorte que l'être humain n'en s'en rend pas compte. Quand on dit qu'on est injuste envers soi-même, c'est que lorsque nous essayons de suivre notre passion et que nous essayons de commettre des actes qui ne sont pas recommandés, qui sont interdits auprès d'Allah, parfois nous essayons de nous cacher pour dissimuler ces actes-là. Parfois, nous essayons de faire en sorte que les autres ne soient pas au courant. Alors que nous sommes en train de faire le mal à nous-mêmes. Mais nous ne le savons pas. Quand on part sur un raisonnement logique et que nous prenons un péché que le prophète alayhi salatu wassalam a proscrit, vous m'excusez, qui est la fornication. La fornication a été interdite par Allah au point qu'Allah nous dit de ne même pas s'approcher de la fornication. Et toute personne qui s'approche de la fornication a été injuste envers elle-même. Mais en ce sens, comment nous pouvons mieux comprendre ce hadith? Un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam est venu demander au messager de Dieu, au messager d'Allah, je voudrais que tu me donnes la permission de forniquer. Anana la kirama, kwa la kirambe djengni fe, ikas fstra dinema nga djenayake. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demande, ah ok, tu veux que je te donne la permission? Le prophète ne lui a pas parlé d'enfer. Le prophète ne lui a pas dit, si tu fais ça, tu auras 40 jours, tes prières ne seront pas. Non, rien de tout ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a répondu en lui donnant des questions, des questions sous forme de parabole, afin que lui-même, à travers un raisonnement, qu'il puisse se remettre en cause et comprendre que ce qu'il est en train de demander comme requête n'est pas une requête recevable. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, la meilleure personne qui appelle les êtres humains avec douceur, avec sagesse, il dit, ah ok, tu voudrais que je te donne la permission de forniquer. Si moi je te donne la permission de forniquer et que quelqu'un d'autre vient juste après toi, qu'il voudrait faire cette fornication avec ta tante, est-ce que je peux lui donner la permission? Ah, le monsieur dit, non, 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 non. Moi et ta sœur. Non, 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 non. Forniquer avec ma soeur, non. Et ta maman, non. L'être humain fornique avec quatre types de personnes. Soit on fornique avec la fille de quelqu'un, soit on fornique avec la femme d'autrui, soit on fornique avec la soeur d'autrui, soit on fornique avec la maman d'autrui. Personne ne voudrait qu'on te dise, ah, ta maman avait forniqué. Personne ne voudrait qu'on te dise, ah, ta fille là, elle est fornicatrice. Personne ne veut entendre de toute sa vie qu'on lui dise, ah, toi là, ta soeur là, elle n'est qu'une fornicatrice. Personne ne veut avoir cet attribut collé à une de ses femmes très proches de lui. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, de la même manière que toi tu n'as pas envie de cela, sache que les autres également n'ont pas envie qu'on leur fasse ça. Et l'homme dit, dans la fin du hadith, il dit, je jure par Allah, je suis parti au messager de Dieu alors que je n'avais envie de rien qu'en dehors de la fornication. Mais j'ai quitté près du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam alors que je ne détestais nulle autre chose autre que la fornication. Et voici une histoire réelle qui s'est passée dans un pays arabe que les savants racontent très fréquemment. Un homme qui a voulu se confier et qui a exactement vu ce scénario. Il a forniqué. Et quand il a forniqué avec une fille, il a eu un enfant, il a fui ses responsabilités, il a disparu de la circulation, les parents ont tout fait, chacun a disparu de son côté. Il est parti dans une autre ville, il s'est remarié, il s'est marié avec une femme, et bizarrement, voici les catastrophes qui se succèdent. Un beau jour,
on vient l'informer que sa fille a été violée à l'école. Et un autre jour, à sa grande surprise, il est venu trouver sa femme avec le voisin. Et c'est de là qu'il s'est tout de suite automatiquement rappelé le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Chers frères, chers sœurs, ceci n'est qu'un exemple. Mais quels que soient les actes que nous sommes en train de poser, quand Allah nous dit de ne pas toucher à l'alcool, quand Allah nous dit de ne pas mentir, quand Allah nous dit de ne pas jouer au tiercé, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, n'est-ce pas, certaines œuvres, parfois notre analyse, nous poussons, nous relativisons, nous donnons parfois des portes de sortie pour nous-mêmes, en pensant que ces portes de sortie après vont nous servir. Après, mais je vais me repentir, bon, je vais faire une... bon, après je vais laisser. Mais bizarrement, c'est cette faute qui va conduire à notre propre perte. Combien de personnes qui ont joué au tiercé et qui ont regretté? Combien de personnes qui ont fait de leur vie un mensonge successif et ont regretté? La réalité est que l'injustice envers soi-même, à chaque fois lorsqu'on désobéit à Allah, on commet une injustice envers soi-même. Et cette injustice envers soi-même, elle demeurera tant que la personne ne se rend pas compte que le fait de désobéir à ses principes de son Seigneur ne fait que lui nuire lui-même. Et c'est, chers frères et chers sœurs, tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Allah qui nous a créés. Et c'est lui qui nous a donné, n'est-ce pas, les lignes directrices pour que nous puissions suivre le chemin. C'est comme, n'est-ce pas, l'être humain qui a créé sa voiture ou sa moto, avec, n'est-ce pas, les catalogues, tout est. On te dit de mettre l'essence ici, on te dit de mettre l'eau là. Mais toi, tu te montres plus génie, tu te montres plus savant, tu dis, bon, mais le monsieur là, il se trompe. Ce réservoir le plus grand, mais je vais mettre l'eau ici, ensuite je mets l'essence de l'autre côté. Est-ce que ton engin va démarrer? Non. Parce que tout simplement, tu n'as pas suivi les lignes qu'on t'a données. Et celui qui nous a créé, c'est Allah. Lorsqu'il nous dit de suivre un tel chemin, c'est sans nul doute ce chemin qui est bien pour nous. Mais à chaque fois que nous essayons d'utiliser des astuces pour détourner ce chemin, alors nous courons à notre propre perte. Et chers frères, chers sœurs, la troisième forme d'injustice, c'est l'injustice avec les autres, envers les autres. Et là, c'est encore plus grave, car l'injustice envers les autres est la plus grande injustice. Pourquoi? Elle est très très déplorable. Pourquoi? Parce que cette injustice, elle conduit à une perte extraordinaire. Selon les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah dit sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, Allah tabarak wa ta'ala fera venir un de ses esclaves. Avant cela, il demande à ses compagnons, est-ce que vous connaissez la personne qui est considérée comme la personne la plus perdante le jour de la résurrection? La personne qui perd tout le jour de la résurrection? Les compagnons disent non, au messager d'Allah. Son Allah et son messager sont plus savants. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, ce sera un esclave le jour de la résurrection qui viendra alors que sa prière est complète, alors que son pèlerinage est complet, alors que tout ce qu'il a fait comme acte de zakat est déjà au complet, alors que tout ce qu'il a fait comme bonne action, alhamdoulilah, on a pesé sur la balance, tout est bon. Et juste au moment où on doit lui dire, va, entre au paradis, voici que d'autres individus, d'autres personnes se présentent. Il se présente pour réclamer quoi? Cette personne vient interpeller cette personne qui doit aller au paradis en disant à Allah, oh notre Seigneur Allah, tu es le Seigneur juste et tu es celui-là qui ne laisse aucune de tes créatures. Si c'est le fils, si ce sont ses enfants viendront. Oh Allah, voici notre papa que tu veux mettre au paradis. Voici, demande-le. Est-ce qu'une seule fois il nous a dit d'aller prier? Est-ce qu'une seule fois il nous a mis sur le droit chemin? Les enfants viennent réclamer leurs droits. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Les épouses viennent réclamer leurs droits. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Les frères et sœurs viennent réclamer leurs droits. Les collaborateurs viennent réclamer leurs droits. Le voisin qui l'a toujours, n'est-ce pas, nuit à côté, sans faire attention, vient réclamer ses droits. Ses collaborateurs, dans son quartier, les gens qu'il était en train de nuire en passant, sans pour autant chercher à comprendre. Les créatures viendront, même les animaux.
Les êtres humains, quand tu nuis à une créature, sache que tu as des problèmes. Parce que là, c'est une injustice dont le pardon n'incombe plus à Allah. Et c'est là le problème. Parce qu'Allah est prêt, le jour de la résurrection, à pardonner l'ensemble des péchés de l'être humain. En dehors du shirk, bien sûr. Allah dit, lorsque mon esclave vient, le jour de la résurrection, avec un cœur dans lequel moi seul Allah est, sans m'associer quelque chose, je vais le rencontrer avec autant de pardon. Mais qu'est-ce qui va compliquer les choses le jour de la résurrection? C'est l'injustice envers les autres. C'est pour ça, chers frères, chers sœurs, faisons attention à notre entourage. Faisons attention aux injustices que nous sommes en train de commettre en termes de paroles, en termes d'actes. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, nous l'avons dit lors du début de notre serment, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, dit à un de ses compagnons, وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Oh, telle personne craint l'invocation de l'opprimé. Quand vous opprimez quelqu'un et que la personne s'adresse au créateur de l'univers, sachez que cette personne, n'est-ce pas, sera exaucée par Allah, même si c'est la dernière des personnes dans le rang de la société. En balmaou, en gang koloshi tonyola, aramade ikis di koloshi tonyola, tonyo koloka bon kojou, mouna. Kasaubi ke yom al qiyama machite sera tout aimé machite do al janna kono e ka barignmo be defale ka soro adama de wero ka hakke bi kan e koloshi dam fon ka hakke la de akere adama de wero akere dam fon wero yow e koloshi hakke la de ala ya ka jom musodo do tasma kono mukama kasaubi ke amason ka dumni di jap mama Allah ami en enfer, n'est-ce pas, une de ses esclaves, à cause de quoi? De tout simplement qu'elle a attaché un chat sans pour autant donner l'opportunité au chat d'aller se nourrir. Elle a refusé. Le chat est mort, assoiffé. Et Allah a décidé de la mettre en enfer. À plus forte raison, les êtres humains. Quand on sont, Adam a dit, on a fait ce qu'on a fait. Il est baraké de là-haut. Il est fait ce qu'il a de là-haut. Ibe barao barala hal nibe jismane feri hal nibe moto taxi de ke wal mebe taxi man de ke wal mebe barao barake ibe projet de kula e mana ke masuliya o masuliya fefena ibe bara fefena e kolochi tonyo la de e kana minimiser de ibe kadrome fla fla min tike ibe kadrome tantan min tike la hara jodun atena no ya de craignons le jour où l'argent ne pourra pas servir. C'est ça le problème. Le jour de la résurrection, l'injuste ne pourra pas, n'est-ce pas, se défendre le jour de la résurrection avec sa fortune. Le jour de la résurrection, personne n'aura besoin d'argent. La hara jodon, imana ma fin fin tonon. La hara jodon, Allah ta'ala bena mokoubla, ou bena ou kafé ou hake ou mine ila. Personne ne pourra recevoir, ne va accepter de recevoir de toi de l'argent puisqu'il n'y aura même pas d'argent. Dirham, dinar, dollar, franc CFA. N'est-ce pas? Aucune monnaie ne sera acceptée le jour de la résurrection devant le Créateur Seigneur de l'univers. Et si une monnaie n'est pas acceptée, comment ça va être géré? Qu'est-ce qui va se passer le jour de la résurrection? Du même nom que l'Ahara Jodon, tu m'as mis à l'ébène au tonyon. Moi, je suis à l'ébène au tonyon. Je suis à l'ébène au tonyon. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à mon cœur. Ou bien John Lajo, Lahara Jodon, Akabara Numon, Kata, Kelen, Gelen, 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 Aye Mourofen Fentonio, Bakabara Numon, Kadoba, la Kadouti Glamoum. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Le jour de la résurrection, Allah Tabarak wa Ta'ala ordonnera aux anges de prendre les bonnes actions de cet esclave qui a passé tout son temps à commettre de l'injustice par tort et à travers. Eh, attendez, regardez.
et min ben ki ka bara e chweni la hara jodum akelenga fuyé ki kanani ye jakarta min chwe walma ye téléphone min chwe ye ordinateur min chwe ye kemefla min chwe ye wari min chwe ki kanana la hara jodum onyini ngali jabili manu ko de parce que une moto tise kanaw ordinateur tise kana ye kemefla min chwe dorme duri ya tise kana mune menake e ka bara o de binata tes bonnes actions on va les prendre. On va prendre tes bonnes actions et on va servir les personnes que tu as lésées. Et ces personnes seront servies par Allah tabarak wa ta'ala. Et le prophète dit alayhi salatu wa salam, lorsque le compte sera fait et qu'on se rend compte que sur ta balance, il n'y a plus de bonnes actions disponibles pour servir les personnes que tu as lésées, qu'est-ce qu'Allah va ordonner de faire? On va ordonner alors de prendre le péché des autres personnes et de les mettre sur ta tête. Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un. Allah tabarak wa ta'ala lahara kene kan tuma mina ala bena dangania suraka don ka fo e ka bara nyumo be bana meleko nyebala e ka bara nyumo be bana bara nyumo klala ye mo mun tonyo no bela de lena ma tonyo taw be ah abe ke tuma di o bena mun ke o bena ka jurumu mo taw ka jurumu le taka blaiku e o man ko de ni mbekem malu di folo la harakene kan dan fe bele jale nyana ni mbekem malu di la harakene kan yani uki sama fana katan ye tasma kon o kama mbal mo man ko de machite bon na kadam ne sans fe fuduma be ki hakito yere la que le savant musulman qui est savant qui prêche qu'il fasse attention à lui-même car Allah tabarak wa taala va l'interpeller par rapport à toute injustice qu'il a commis. Soit dans sa mosquée, soit dans la gestion de ses affaires religieuses, soit dans la gestion, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a comme responsabilité religieuse, Allah va l'interpeller le jour de la résurrection. Et mimbe ki jamana nyamoye, Allah va interpeller. Allah tabarak wa taala va interpeller. Et mimbe ki poste de son ministère là, et mimbe ki joro de son, tout le monde est content. Quand on a des postes de responsabilité, quand on a des promotions, c'est naturel d'être content, oui. Mais comprenons que c'est aussi des fardeaux. Comprenons que c'est des fardeaux, c'est une lourde responsabilité. Et ce fardeau-là, nous devons l'analyser et le voir. Et savoir que c'est une épreuve. En bon mot, ton nom est un homme. Ou comment? Il y a un homme qui est un homme. Il y a un homme qui est un homme. Il y a un homme qui est un homme. Il y a un homme qui est un homme. Il y a un homme. Ali deu ni ñoron ci kana son ka toñon ke e bi den do fi say den doy e balma tien klalé tien kan a klan nga emi mbé ke den ko robalé e bi goulo na flo bela jelen kan tu refuses de partager n'est-ce pas l'héritage du papa du défunt père toi en tant qu'aîné tu prends seulement cet héritage là et tu commences à prospérer à ouvrir tes entreprises et parfois tu fais des gestes 100 000 francs 50 000 francs au sœur soit disant que c'est toi l'aîné. Ah, la harakine man ko de ma chama be nga jamane ko ne ha u be ka tasma dun de u kama ambal mom anga haklito alala nga toño ati la harad ron ko no de l'injustice. Allah n'attend pas le jour de la résurrection seulement. Allah règle les choses depuis ici d'abord. Toute personne qui fait de l'injustice son travail, vous allez voir que la personne n'aura jamais une fin heureuse. Ça, c'est une garantie de la part d'Allah. Un, de deux, toute personne qui fait de l'injustice, n'est-ce pas, son chemin de travail, Allah tabarak wa ta'ala va restreindre la vie de la personne. Allah va donner une vie de jeûne à la personne. Il y a un million de temps, Allah ta'ala a un million de temps de problèmes d'aïkou. Il y a un million de temps, Allah a un million de problèmes d'aïkou. C'est ça, Allah, le créateur de l'univers. Abid de Goundien, il y a un million de temps, il y a un ko kama nene aw bela jere am balmo anga hakli to ayra la. Comprenons qu'Allah est celui-là qui veille au grain. Nous demandons à Allah, nous implorons à Allah de nous protéger contre l'injustice. Qu'Allah soit là nous protège contre l'injustice. Qu'Allah nous fasse sortir de l'injustice. Qu'Allah fasse sortir l'ensemble du peuple de l'injustice. Qu'Allah fasse sortir nous-mêmes chacun individuellement que nous soyons des personnes justes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin et vers sa satisfaction. Qu'Allah nous guide dans nos familles. Qu'Allah nous guide dans nos communautés. Qu'Allah nous guide dans nos peuples. Qu'Allah ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un clin d'œil, ya Rabbal Alameen. Allah, nous te demandons de purifier notre cœur de toute ostentation, de toute hypocrisie.
Nous te demandons de purifier notre langue de tout mensonge. Allah, toi qui es le Seigneur et Créateur de l'univers, nous te demandons de purifier nos actes de toute ostentation. Allah, fais que la vie soit une succession de bonheur pour nous. Fais que la mort soit, Allah, un début de bonheur éternel pour nous, ya Allah. Allah, nous t'implorons, Allah, accorde-nous une subsistance saine. Protège-nous, ya Allah, contre la pauvreté qui conduit à la déchéance. Protège-nous, ya Allah, contre la richesse qui conduit à l'égarement. Accorde-nous une subsistance saine, ya Allah. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Accorde-nous des conjoints, ya Rabb al-Alamin, pieux, ya Allah. Tu es celui qui est le créateur de l'univers et le donateur suprême. Nous t'implorons, ya Allah, accorde-nous une descendance pieuse. Fais que nous soyons également des enfants pieux pour nos parents. Allah, bénis pour nos parents dans ce bas monde et dans la vie future. Réunis-nous ainsi que nos parents dans ton paradis al-Firdaus. Ô Seigneur de l'univers, fais que notre dernier jour soit le meilleur de notre jour. Ne nous éprouve pas, ya Allah, ya Karimu, ya Dayan. Ne nous éprouve pas par une épreuve que notre foi ne peut supporter. Allah, accorde-nous la santé et protège-nous contre la maladie qui porte à l'égarement, ya Allah. Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Ne serait-ce qu'un clin d'œil, ya Allah, ya Karim, accorde-nous une connaissance bénéfique. Fais que nos connaissances nous soient bénéfiques dans cette vie, ya Allah, et dans la vie future, ya Karim, ya Dayan. Allah, nous t'implorons, ya Allah, pardonne-nous nos péchés passés. Pardonne-nous nos péchés futurs, ya Allah. Pardonne-nous nos péchés que nous avons commis en cachette. Pardonne-nous nos péchés que nous avons commis de façon apparente, ya Allah. Tu es le Créateur, tu es le pardonneur suprême, ya Allah, pardonne-nous. Allah, donne-nous la chance de répondre les questions de la tombe avec la plus grande facilité. Élargis nos tombes pour nous, ya Allah. Fais de nos tombes, ya Allah, un jardin du paradis. Ressuscite-nous le jour de la résurrection parmi des pieux prédécesseurs. Donne-nous la chance de bénéficier de l'ombre de ton trône, ya Karim, ya Dayan. Donne-nous la chance d'avoir notre livre de notre main droite, ya Karim, ya Dayan. Ô Seigneur de l'univers, fais que nos bonnes actions soient lourdes le jour de la résurrection plus que les mauvaises actions. Allah, protège-nous contre toute injustice à l'endroit de tes créatures. Donne-nous la chance de passer le pont Sirat de la meilleure des manières, ya Allah, donne-nous la chance de rentrer dans ton paradis al-Firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahumma ala sayyidina wa nabiyyina wa habibana muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين